Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 24 avril 2022, direction l'hippodrome d'Auteuil pour le prix Car Simon, troisième course de la Réunion 1 où 14 sauteurs expérimentés âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Pour cette magnifique compétition à l'allocation totale de 95 000 euros, c'est le parcours des 4400 mètres du steeplechase d'Auteuil avec la piste intérieure empruntée qui sera utilisée par nos nombreux prétendants au titre. Une fois encore, le terrain devrait être très souple et beaucoup peuvent prétendre au succès s'ils disposent d'un bon parcours. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 2, Écho de Chandon. Philippe et Camille Pelletier le trouvent en parfaite condition physique le matin et pour son retour dans les grands handicaps, avec l'aide d'Olivier Join, il peut espérer monter sur la plus haute marche du podium. En deuxième choix, le numéro 1, Darling Desbordes. Modèle de régularité et de constance à ce niveau de compétition, avec ses œillères pleines et l'aide de James Rivlet, il peut se sortir de sa charge élevée de 72,5 kg. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Polysud. Gaëtan Mazur est aux commandes de cet élève de François Nicole, qui ne sort quasiment jamais des 4 premiers et qui peut être considéré comme une très bonne basse quintée aujourd'hui. En quatrième position viendra le numéro 5, Espoir Royal. Marcel Roland l'aime bien et pense qu'avec l'aide de Ludovic Philipperon, il est largement capable de se sortir de ses 64,5 kg avantageux avant coup. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 13, Shawinigan. Dominique Bressoux tente le coup ici, son cheval étant en grande forme et montant à la capitale avec de grosses ambitions. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 9, Starco. Plus habitué à la province, il monte lui aussi à Paris avec l'espoir de briller au niveau Quintet Plus. En avant-dernier choix, le numéro 3, Galluron, qui sera associé à un certain Kevin Nabé pour la circonstance, aura lui aussi des partisans. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 6, Doudingue, dépendant du redoutable entraînement d'Étienne et Grégoire Linders et qui sera monté pour la circonstance par Geoffrey Ray. En cas de non partant, le numéro 11, Écoute en tête, qui affiche une folle régularité depuis le début de sa carrière, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux et pourrait faire plaisir à la famille Pelletier de nouveau. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier samedi, Turf Sélection vise dans le 1000 en indiquant le quartet désordre de 273 euros ainsi que le quintet plus dans le désordre, ce dernier affichant 471 euros tout de même en tant que rapport. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.